Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo rapide pour parler d'un sujet important, le maintien à jour et la sécurité de votre installation. Cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu mieux le principe des mises à jour de vos appareils Zigbee avec Home Assistant et en même temps, vous simplifiera la vie. Vous avez des capteurs, des interrupteurs, des ampoules Zigbee partout chez vous? C'est génial, mais comme n'importe quel appareil électronique, ils ont besoin de mises à jour. Ces mises à jour corrigent des bugs, améliorent la stabilité et peuvent même ajouter de nouvelles fonctionnalités. La plupart de ces appareils sont autonomes et ne peuvent pas être branchés à votre ordinateur. Donc la seule solution est la mise à jour OTA. OTA signifiant Over the Air, sans fil en français. C'est un peu comme la mise à jour de votre téléphone, mais pour vos appareils Zigbee. Ça se fait sans fil, directement via votre réseau, et c'est Zigbee2MQTT qui s'en charge. Comment ça marche concrètement? Il existe une base de données collaborative publique créée par Coenc, je m'excuse pour la prononciation, c'est le fondateur de Zigbee2MQTT, qui recense les dernières versions des firmware pour des centaines d'appareils Zigbee de différentes marques. Zigbee2MQTT se connecte à cette base de données et va chercher les informations dedans. Une fois par jour, il scanne votre réseau. Si un de vos appareils a une mise à jour de firmware disponible, il va vous le signaler dans son interface web. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur « Update » et laisser la magie opérer. C'est ça la puissance de Zigbee2MQTT. Il centralise tout, ce qui vous évite de passer par les applications propriétaires de chaque marque. C'est plus simple, plus sécurisé et surtout, vous gardez le contrôle total. Dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué. La plupart de vos appareils Zigbee sont sur batterie et ce sont eux qui décident quand ils parlent à votre Home Assistant. Zigbee2MQTT ne peut donc pas leur envoyer de mise à jour sans que ceux-ci soient réveillés. Vous le voyez dans l'exemple en vidéo, après une minute de tentative, Zigbee2MQTT abandonne car il n'arrive pas à avoir de réponse de mon thermomètre. Vous avez deux possibilités. Forcer la mise à jour si vous êtes pressé ou la programmer. La plupart des autres tutos expliquent que vous devez réveiller l'appareil pour la mise à jour. C'est faux, bien que cela fonctionne parfaitement quand même. Imaginez que vous n'avez pas un accès direct à votre appareil. Il vous suffira simplement de cliquer sur la petite horloge à côté pour que la mise à jour se fasse dans les 24 prochaines heures. Par défaut, le timing des demandes des appareils pour leur mise à jour est configuré sur 1440 minutes, soit un jour. Prenez bien en compte que les mises à jour sont très longues à faire. Un simple thermomètre posé à quelques centimètres du dongle a mis plus de 25 minutes à se mettre à jour. Le deuxième, qui était à une dizaine de mètres, a mis 40 minutes. Donc ne soyez pas pressé. Il reste bien sûr une dernière solution, c'est forcer la mise à jour. Pour cela, il suffira de réveiller l'appareil en cliquant sur un de ces boutons au moment où vous mettez à jour l'appareil. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour des points essentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve rapidement pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le format et que vous voulez en savoir plus. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite.